Ramassage des encombrants ce matin dans le port militaire de Brest. Dans le cadre de la semaine du développement durable, plus de 40 plongeurs de la marine nationale écument les fonds de la base navale brestoise. Sous la surface, des objets ne demandant qu'à être ramassés. Des déchets d'ordre pneumatique, métallique et autres. Comme vous pouvez voir derrière moi, nous remontons dans ce cas-là une sorte d'objet métallique qui doit dater de plusieurs années, vu les concrétions qu'il y a dessus. Une fois remontés et triés, ces déchets rejoindront la filière adaptée pour être détruits ou recyclés. Cette opération, qui regroupe civils et militaires, n'est pas une première dans le port de Brest. Les nettoyages de fonds sous-marins, des nettoyages de zones à terre, on en réalise plus ou moins régulièrement. 2008, ça a été fait, 2010 également. La mer, c'est le milieu de travail, donc il faut forcément en prendre soin. Samedi, ce sera au tour du port du Château d'être nettoyé en clôture de cette semaine du développement durable. Les équipes engagées sur ce projet espèrent réitérer leur action l'année prochaine.